Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Last Night in Soho, film britannique de 2021 réalisé par Edgar Wright. Une jeune femme passionnée de mode et de design parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît et le temps semble se désagréger entraînant de sombres répercussions. Actualité chargée en cette année 2021 pour le réalisateur britannique Edgar Wright, puisque quelques mois à peine après la sortie de son documentaire The Sparks Brothers, consacré au groupe de pop-rock américain Sparks, voilà que débarque sur nos écrans son dernier film, le très attendu Last Night in Soho, film qui devait initialement sortir à l'automne 2020. Si la renommée du réalisateur s'est surtout faite en 2004, grâce au cultissime Shaun of the Dead, improbable mélange de comédie romantique et d'invasion zombie, on pouvait déjà apprécier son travail dans Spaced, en français Les Allumés, série composée de deux saisons, diffusée entre 1999 et 2001. 14 épisodes blindés de références à la culture populaire, dans laquelle officiait déjà le duo Simon Pegg et Nick Frost, aux côtés de Jessica Stevenson, une série que je vous recommande vivement. Un duo Pegg et Frost qu'on retrouve également à l'affiche des comédies Hot Fuzz en 2007, dans un mélange de slasher et de body movie, et le dernier pub avant la fin du monde en 2013, abordant cette fois-ci le genre de la science-fiction. Deux œuvres formant avec Shaun of the Dead la désormais célèbre trilogie Cornetto, en référence aux glaces qu'on retrouve dans chacun des films. Les deux hommes participent également à Don't, fausse bande-annonce parodiant les films d'horreur britanniques des années 70, réalisé par Wright en 2007 à l'occasion du double programme Greenhouse de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. En 2010, Wright nous gratifie de l'excellent Scott Pilgrim, adaptation du comics de Brian Lee O'Malley, mettant en scène le susnommé Scott Pilgrim en prise avec les ex-petits amis de sa nouvelle copine Ramona. Après avoir travaillé sur Ant-Man, sur lequel il est chargé du scénario et de la réalisation, Wright quitte le navire pour différents artistiques et revient en 2017 avec Baby Driver, projet de longue date et dans lequel action et musique s'entremêlent avec réussite. Savoir que le réalisateur allait s'attaquer au cinéma horrifique, mais cette fois-ci sans le contrepoids de la comédie, avait tout pour élever le niveau d'attente. D'autant qu'il nous promettait un voyage à la fois tourmenté et glamour au cœur du swinging London des années 60, et qu'il embarquait avec lui dans cette aventure Anya Taylor-Joy, actrice particulièrement en vogue, notamment dans le cinéma de genre, révélée par son rôle dans l'excellent The Witch, film de 2015 réalisé par Robert Eggers. Incarnée par une excellente Thomasine McKenzie, Héloïse est une jeune provinciale fascinée par les années 60 qui débarque à Londres pour ses études, espérant devenir une styliste reconnue. Avertie par sa grand-mère dont elle est très proche, des dangers qu'il y a à vivre dans une grande ville, la naïveté d'Héloïse est rapidement mise à l'épreuve au gré de ses rencontres et de ses expériences. Une introduction qui peut sembler un brin cliché mais qui a au moins le mérite de l'efficacité en termes d'enjeux et de présentation de personnages. A l'instar de sa mère disparue, Héloïse peut voir des choses que les autres ne voient pas, se retrouvant même projetée chaque nuit dans le swinging London qu'elle affectionne tant, dans la peau d'une starlette prénommée Sandy. Ayant tout pour réussir, Sandy apparaît comme une source d'inspiration pour Héloïse, tant dans les créations qu'elle réalise dans le cadre de ses études, que dans son apparence qu'elle modifie progressivement pour lui ressembler au plus près. Pour autant, le talent indéniable et la volonté dont fait preuve Sandy se heurtent à la réalité des choses. Le monde est un monde d'hommes, fait par les hommes, pour les hommes. La représentation idyllique que se faisait Héloïse des années 60 vole alors en éclats et les événements du passé commencent à empiéter sur sa propre vie. It really happened. What did you see? Ah!
believe in ghosts. C'est évidemment au moment où Héloïse et le spectateur remontent le temps qu'Edgar Wright affiche le plus sa maîtrise de la mise en scène, nous offrant notamment des jeux de miroirs de toute beauté et faisant même preuve d'une certaine virtuosité lors d'une scène de danse où apparaît tantôt Héloïse, tantôt Sandy, dans des mouvements d'une fluidité remarquable et des faits invisibles. Wright assure derrière la caméra sans pour autant faire dans la démonstration. Tout juste pourra-t-on reprocher au film des effets peut-être un peu trop appuyés au moment de la première des deux grandes révélations. Il faut dire que les révélations en question, bien que très bien amenées, n'ont pas de quoi nous faire tomber à la renverse et risquent de ne pas être finalement si surprenantes que ça pour les plus attentifs. Et malheureusement, tout passe quasiment à ces moments-là par des dialogues surexplicatifs. Malgré quelques défauts, il serait bien dommage de bouder son plaisir. Après Malignant de James Wan il y a quelques semaines, Edgar Wright se frotte au giallo, rendant un hommage appuyé au maître du genre Dario Argento, épaulé dans sa tâche par le directeur de la photographie, Chun Chung-hoon. L'occasion pour le réalisateur de nous concocter des images assez saisissantes, notamment quand il s'agit de mettre en scène ce groupe d'hommes sortis des ténèbres, entre le Carnaval des âmes de Herc Harvey et La nuit des morts vivants de George Romero. Co-scénarisé avec Christy Wilson Cairns, Last Night in Soho est l'occasion pour Wright d'aborder l'exploitation des femmes, donnant justement pour la première fois le rôle principal d'un de ses films à une femme. En plus de Thomasine McKenzie, Anya Taylor-Joy illumine chacune des scènes dans lesquelles elle apparaît. Quant à Diana Ring, à laquelle le film est dédié, on ne peut que se réjouir de son rôle et de son temps de présence à l'écran. Le film est également l'occasion pour Wright, alors que sa filmographie accorde une place prépondérante au passé, d'affirmer que non, les choses n'étaient pas mieux avant et qu'il faut s'affranchir d'un héritage souvent trop lourd à porter ou d'une nostalgie qui nous empêche d'avancer. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut !